à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sympathique et je vais vous donner d'abord quelques citations de mon cru. Alors la première, c'est « L'idéologie prend systématiquement le pas sur la réalité ». Ensuite, j'ai écrit cette phrase qui me plaisait beaucoup. « S'il y avait un impôt sur la naïveté, et on reste poli, l'État n'aurait plus de dettes ». Croyez-moi que c'est vrai. Celle-ci, quand la droite est au pouvoir, la gauche oppose tous les jours. Quand la gauche est au pouvoir, la droite se tait. Et ça, vous pouvez le constater, c'est quelque chose d'immuable. Il se passe vraiment, quoi qu'il se passe, la droite, elle est molle. Elle est fatiguée. Elle n'est pas concernée. C'est dramatique. Dramatique. Parce qu'il y a plein de sujets qui sont tous liés, d'ailleurs, sur lesquels on pourrait parler. Hein, et on pourrait même manifester dans les rues, pourquoi pas. Et le privilège de manifestation n'est pas exclusivement de gauche quand même. Alors celle-ci vient naturellement, cette citation. Aujourd'hui, la gauche assure la continuité du service déconstruction de la France, ce sans discontinuer. C'est une question d'idéologie, c'est le franquistan. Alors celle-là, elle est récente et à juste titre, parce que ce que je viens de voir, par exemple, pour les Jeux Olympiques, les gens qui sont choisis pour porter la flamme, c'est scandaleux. Ça représente peu la France. On a l'air de quoi, là ? Tous les gens que je connais dans le monde entier me disent « Mais c'est quoi ?» Et nous, on est là, on subit, on dit rien. Il y a des millions de gens qui restent toute une après-midi à la télévision pour voir arriver un bateau dans le port de Marseille et qui regardent et suivent benoîtement ou béatement ou je ne sais quoi, ce genre d'émission. Mais c'est dramatique. On est dans les jeux du cirque. D'ailleurs, Philippe Devilliers, je crois, l'a dit il y a quelques jours. On est dans les jeux du cirque et rien d'autre. Enfin, il a transposé Macron, ce que faisait Néron. Macron-Néron, ça va bien ensemble. Hein. Voilà. Et enfin, là, j'en ai une petite pour finir, qui est logique. La France de Macron est généreuse avec les autres, mais intolérante envers les Français. Ça, c'est vrai, il suffit de voir tout ce qui se passe. Alors, on est dans un monde, dans un pays, où le racisme anti-français ne cesse de frapper. C'est ça qui est grave. Aujourd'hui, il est dangereux d'être français en France. Il faut comprendre cette situation qui est le fait ou le résultat de, allez, on va dire, 50 ans de gabegie, 50 ans d'ignorance des réalités, 50 ans du déni permanent et 50 ans d'idéologie de gauche. Et la gauche, elle a tout gangréné, elle a été intelligente, c'est vrai, il faut reconnaître. Elle tient les médias, elle tient tout le système associatif. Et ça, ça fait mal. Ça fait même très mal à un pays. La preuve, c'est qu'on est coulé. Et, par exemple, vous avez, chaque fois qu'un islamiste attaque quelqu'un, le blesse ou le tue dans France, on vous disait, c'est un déséquilibré. Eh bien, les médias ont compris que ça suffisait de dire ces conneries-là. Ils ont changé. Aujourd'hui, vous allez voir, vous pouvez le lire, chaque fois qu'il se passe quelque chose, c'est une rixe. Alors, une rixe, c'est en fait une bagarre de rue, une rixe. Hein. C'est des gens qui s'entretuent ou se battent, etc. Et enfin, la réalité, ce qui s'est passé, c'est que vous avez une bande d'islamistes, encore, qui attaque un bon Français moyen ou pas, et qui le blesse ou le tue. Et ça, ce sont les mots. C'est-à-dire qu'on ne veut pas révéler aux gens qu'est-ce qui se passe. Hein. Ça me rappelle le mot de la ministre, là, Oudéa, qui a dit... un truc inouï, il faut que les SDF pour les Jeux Olympiques rentrent chez eux. Mais c'est la preuve que ces gens-là ne sont pas dans notre vie, ils ne sont pas dans ce que nous sommes, dans ce que nous vivons, nous ressentons et nous subissons. Ils sont ailleurs, hein. Ils ne sont pas touchés par tout ce même système. Et l'insécurité se développe, comme nous l'avions déjà écrit à plusieurs reprises, surtout depuis mai 2012, avec le changement de gouvernement. La gauche est arrivée au pouvoir. Et alors, depuis 2017, c'est pire encore. C'est catastrophique. On a un afflux massif de clandestins islamisés. On vous parle de migrants, mais ce ne sont pas des migrants. Un migrant, c'est quelqu'un qui va d'un point à un autre, simplement, et puis qui essaye de s'installer dans un pays et de s'y conformer.
Hein, les migrants, on en a connu dans toutes les histoires. On a eu notamment ici en France une forte migration italienne, yougoslave, espagnole, portugaise, ce que vous voulez. Ça s'est toujours bien passé, il n'y a jamais eu de problème, parce qu'ils ne venaient pas pour faire une politique, ils ne venaient pas pour imposer une religion, ils venaient pour travailler en France et devenir français, parce que presque tous sont devenus français, mais parce qu'ils le voulaient. Moi, je suis petit-fils d'émigrés, fils d'émigrés. Mon grand-père, il est venu, il ne parlait pas un mot de français, il s'est installé en France, il n'avait pas un rond, et ça lui a plu, il a vu qu'on pouvait faire quelque chose, il a commencé à travailler, etc., etc., je ne vais pas vous faire mon histoire, parce qu'on s'en fout, et il s'est intégré, voilà, il s'est intégré. Le jour où on lui a dit « Monsieur, vous êtes français », il ne parlait toujours pas bien le français, et il était heureux, il a fait une fête. Voilà ce qui s'est passé. Alors qu'aujourd'hui, on accueille des gens à qui on donne tout, hein, que ce soit les migrants islamistes, je parle du mot de migrants, je fais comme tout le monde, les migrants ukrainiens. Là, hein. L'autre jour, je ne vous mens pas, j'étais dans une grande surface, je ne dirai pas son nom, ça n'a aucune importance, et, pour acheter des meubles, et il n'y avait que des Ukrainiens. Alors j'en ai chopé un ou deux, puis je leur ai parlé, parce que, et je leur ai dit, tiens, c'est marrant, vous venez ici, vous allez acheter des meubles. Oui, oui, on a un bon d'achat. Ah, je lui ai dit, vous avez un bon d'achat. Oui, oui, tenez, ils m'ont montré. Ils avaient un bon d'achat de 500 euros. Voilà. C'est tout. Et moi, si je veux acheter, je suis obligé d'emprunter, de prendre un crédit qui coûte bonbon, etc., etc. Et les mecs, ils arrivent et ils ont un bon d'achat. Et je leur dis, mais vous habitez comment? Vous habitez où? Ah, on a eu une maison. Ah bon? On vous a donné une maison? Oui, on a une maison. Voilà. Et combien il y a de Français qui sont SDF? Hein? Eh bien, il y en a un paquet. Voilà. Mais ça, on s'en fout, c'est des Français. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Hein? Donc, dans tous les cas, il s'agit de dénier la réalité et d'éviter d'évoquer quoi que ce soit qui vienne de cette religion qui est tout sauf d'amour. Et ça, que vous le vouliez ou non, c'est du racisme à l'état pur, c'est du vrai racisme. Parce qu'on nous a tellement vendu cette histoire de racisme qu'il ne fallait pas être raciste. Je me souviens, dans les années 80, les gens me disaient « Oui, mais toi, t'es réactionnaire, t'es facho, t'es raciste. » Raciste, je n'avais pas dit un mot. Parce que être raciste, attention, c'est une forme de ne pas aimer l'autre. D'accord ? Et personnellement, moi, j'aime tout le monde. Donc, je ne suis pas raciste au sens du mot raciste. Mais les autres qui ne m'aiment pas parce que je suis blanc, je ne vous parle pas du reste, et ben eux, ils sont racistes. Voilà. Mais c'est nous qu'on traite de racistes parce qu'on est toujours dans ce progressisme, wokisme, appelez ça comme vous voulez, idéologique, marxiste, communiste, socialiste, etc. D'ailleurs, notez bien que le socialiste là, qui se présente à l'européenne, il est toujours associé avec LFI dans la NUPES, hein, et ben ça, c'est scandaleux, Et je trouve que les gens qui votent à gauche devraient se détourner de ces gens-là pour leur montrer que ce sont des pourris, parce que j'ai pas d'autre mot, là. Hein, on a d'un côté une bande de collabos racisés anti-France, et de l'autre côté leurs associés, quand même. Alors vous avez les classiques, parce que vous retrouvez des gens qui sont anti-blancs, anti-français, anti-occidentaux, depuis toujours. Alors, je vous donne quand même la dernière, c'est Cornel Euro qui en a parlé, je vous donne la dernière, parce que celle-là, on est dans le summum de leur folie idéologique destructrice. C'est la fermeture de la patinoire mythique de Colombes, dans le 92, par le maire écolo de Colombes, sous le prétexte, et je vous le donne en mille, que la glace, ça fait du froid. Ciao les mecs, parce que là, on avait Oudéa qui, elle, voulait que les SDF rentrent chez eux, et ben lui, le gars, la glace fait du froid. On en est là, on a affaire à des tocards, excusez-moi du terme, même si je dois être censuré, j'en ai rien à souhaiter, on a affaire à des tocards, à des gens qui sont bêtes et méchants, et qui n'aiment pas leur pays. Et ça, c'est gravissime, gravissime. Parce que les mêmes gens, en 1938-39, c'était des collabos. Et je peux vous dire que si ça continue comme ça, on n'aura que ça. Et c'est dramatique. On n'a plus rien le droit de dire.
on peut plus penser, quoi. C'est, sinon, vous êtes un affreux facho. Alors, moi, j'ai trouvé un terme pour tous ces progressistes de Baba Cool de mes deux. Hein. Et c'est la majorité, malheureusement, de notre caste politico-médiatique aujourd'hui. J'ai trouvé un terme blancophobe. C'est beaucoup plus fort que blancocide qui ne veut rien dire. Blancophobe, notez-le parce que c'est la réalité. On a affaire à des blancophobes, des gens qui sont racistes, qui sont bêtes et méchants. Alors, le déni permanent de cette violence barbare est non seulement dégueulasse, parce que c'est dégueulasse, et scandaleux pour les victimes et tous leurs proches. Et surtout, surtout, regardez ce qui se passe maintenant, ça touche tout. L'Eurovision, les Jeux Olympiques, bientôt ça, le football, le, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'ils s'insinuent dans tout et ils cherchent en fait, c'est leur système depuis le début, à criminaliser le débat et à faire en sorte que les gens n'osent plus parler. Et c'est ça qu'il faut éviter, parce que si on ne parle plus, si on accepte tout, là, c'est cuit, fini. Et comme je dis toujours, et je finirai par là, on est mal, on est vraiment mal. Et là, je pense que, sauf un miracle, mais un miracle, ça n'arrive pas tous les jours, même pas souvent, je pense qu'on est plus que mal. Allez, merci, à bientôt.